Salut, excuse-moi. Ouais. Ouais, c'est Mathieu, dis-moi, est-ce que t'habites dans le coin? Ouais. Ah, mais attends, je t'ai déjà vu. Tu cuisines chez les gens, non? Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Et bah là, du coup, je voulais te proposer ce soir de. En galère, non? Non, c'est pas trop bien. Non, mais justement, c'est une box grand frais. Ok. Et dedans, il y a des tomates et des burrata et je peux venir cuisiner ça chez toi si tu veux ce soir. Attends, t'as dit burrata? Ouais. Ok, vas-y, c'est bon. Ah, c'est vrai? T'es célibataire? Ouais, okay. Grand, ouais. Ok, parce que j'ai un truc qui peut t'intéresser. Ah. Bienvenue chez moi. Merci beaucoup. Ça va? Tu galères pas trop? Okay. Voilà mon salon. Ok. Ma petite plante qui est un peu en déche. Mon miroir. Ah. Je vais trouver cette miroir. La cuisine. Ah, en cuisine, ouais. Tu veux pas faire le test de compatibilité amoureuse? C'est quoi ça? Attends, je te montre. Vas-y, réponds aux questions. Ouais. T'aimes bien? Ah, je sais pas quoi mettre là, attends. Tu commences par prendre une sélection de tomates et burrata de chez Grand Frais. Ensuite, tu badigeonnes d'huile une baguette que tu vas mettre à griller. Pendant ce temps, tu prends de bonnes tomates. Moi, j'ai choisi des noires de Crimée et ananas, du jambon de pays, de la burrata et tu vas venir broyer le tout comme moi. Tu récupères ton pain, tu vas le frotter avec de l'ail puis avec une tomate rose de Berne. Tu disposes dessus une burrata à la truffe et dans une assiette, tu mets ta baguette avec ton mélange broyé, du velours de balsamique, un filet d'huile d'olive, du basilic et t'auras plus qu'à régaler ta convive. Et voilà, c'est prêt. Merci. Ta vitesse, ça dit quoi? On a match.